curieux de science, je disais, les équipes ici qui arrivent sont attendues. La quatrième place, évidemment, ne seront pas parmi les trois premiers qui partent en France. Cependant, il y a une petite surprise parce que les quatrièmes, ce sont leur première participation. Ils terminent déjà à la quatrième place. Bravo et merci d'accueillir la City Music Team de Jambes. Félicitations à eux. Prix également de l'esprit d'équipe. Première participation, prix de l'esprit d'équipe et quatrième place du classement général. Superbe première belle participation, bravo à vous. Félicitations. Alors le trio tête, évidemment, je le disais, pour ceux qui sont des habitués de la Fosse Égolique, ils sont attendus puisque ces équipes-là étaient généralement juste derrière la Geeko Team. Donc il nous reste dans le désordre l'équipe Let's Go de la Louvière, le centre culturel de Gerpine, Uber Robotics, d'Odor Game, qu'on va applaudir puisqu'ils participeront à la manche en France. Félicitations à eux. Et à la troisième place, je tiens à dire aussi, les membres du jury m'ont dit, ces trois premières places, elles se sont jouées sur quelques points. C'était dans un mouchoir de poche, le niveau était très intéressant. Ça n'a pas été facile de départager tout le monde. La troisième place est attribuée au Centre culturel de Gerpine, bravo à eux. Également, vainqueur du prix du robot, mais aussi vainqueur du prix du design robot. Le centre culturel de Gerpine, bravo à eux. Et alors justement, il y a le jeune Lignan qui devait être là avec cette équipe, mais qui n'a pas pu participer car il était malade. Bien voilà, vous avez réussi une superbe performance. Je crois que justement, tu es venu me trouver il y a quelque temps, un peu avant les résultats, pour dire, j'aimerais dire un petit mot. Voici-les, prends le micro. On pense très fort à eux, à Noé et à Lilian. Et on espère qu'ils seront avec nous à la prochaine étape et qu'on va aller très loin. Voilà, félicitations. Ils pourront déjà vous suivre aussi pour la manche en France. Bravo, quel parcours pour Gerpine. Elle a cité tous les prénoms, effectivement, avec deux prix. Le prix du robot, le prix du design et la troisième place qualificative pour la manche en France. Vous avez vu, là, je fais un peu traîner les trucs, un peu comme Nikos. Normalement, il y a une musique qui va arriver, le truc insoutenable. Et il nous reste deux équipes. Je ne vais pas faire durer le suspense. Tout simplement, la deuxième place est attribuée à l'équipe ABP Let's Go La Louvière. Félicitations. Vous aussi, vous allez participer à la manche en France. Vous allez tous nous représenter avec Gerpine et avec Uber Robotics en France. Superbe parcours pour ABP Let's Go La Louvière. Bravo à toutes et à tous. Très belle deuxième place et puis on vous suivra évidemment pour cette manche en France. Et puis il nous reste juste à applaudir le grand vainqueur, on le rappelle, ça s'est joué. Oui, ah la chanson, j'adore les chansons, allez-y. 1, 2, 3. Algoman, c'est la solution pour un monde avec moins de pollution. Bien même aussi. Algoman, il peut s'implanter partout. Éviter, recycler, réutiliser. Algoman, voilà ses priorités. Algoman, c'est la solution pour un monde avec moins de pollution. Ben voilà, bravo. Ah, il y en a peut-être qui vont travailler dans la chanson, dans la pub. Alors, j'ai oublié ce qu'Anthony m'a dit.
Il vient juste de... Viens, tu vas venir près de moi. Parce qu'on va annoncer justement, il faut l'annoncer, le premier prix. Tout le monde sait pour qui c'est, mais il y a un cadeau spécial. C'est pour quoi? C'est pour qui? Je tenais quand même à préciser que le cadeau spécial pour l'équipe qui remporte le gros shot cette année, c'est le tout nouveau robot chez Lego qui est sorti avant-hier, offert par notre partenaire Rato Éducation. Donc voilà, je pense que c'est sympa. Voilà, superbe cadeau pour le premier de cette édition Make It 2020. Un tonnerre d'applaudissements pour le grand gagnant de la journée, Uber Robotics d'Honor Game. Bravo à vous! Félicitations! Venez chercher votre prix. Allez, venez près de moi et regardez les gens pour le. Évidemment, regardez, il y a plein de. Retourne-toi, il y a plein de téléphones portables pour faire des photos. Alors, ça fait quoi d'avoir gagné? C'est bizarre parce qu'on avait vraiment peur, parce qu'on a eu des bugs, on a eu des ennuis, mais tout s'est bien passé, c'était super. Voilà, vous avez été les meilleurs au niveau général sur toutes les épreuves. On gardera quoi d'aujourd'hui comme souvenir? Surtout maintenant, mais... Ah, c'est le meilleur moment. Et puis, mais n'oubliez pas, hein, vous êtes avec deux équipes à nous représenter en France, tu peux lever la main, mais va falloir essayer de faire de bons résultats là-bas en France aussi. Mais oui, franchement, on est vraiment content de tout et on est un peu surpris de notre place parce qu'on comptait peut-être se qualifier, mais on ne pensait pas être premier. Mais voilà, félicitations à vous, on peut encore les applaudir, vous applaudir en même temps, applaudir tous les participants à cette journée. Bravo aux 17 équipes, grand merci aux plus de 1000 personnes qui sont venues pour cette journée. Ce fut un véritable plaisir de vous faire vivre l'événement. Allez, peut-être vous déshydrater un petit peu pour terminer ça pendant que l'équipe de Technobel, elle, va ranger. Félicitations encore à eux. Grand merci et à bientôt.